C'est à Paris, dans une clinique du 15e arrondissement. Renaud est là sans doute, ou moi, je ne sais pas. Enfin bref, on est jumeaux, on est bien jumeaux. Et vous remarquerez qu'à l'époque, il couchait les bébés de côté. Voilà, Hein? avec des Voilà. couvertures de quoi Avec des s'étouffer. couvertures pour bien nous étouffer. Ils ont tout essayé, mais ça n'a pas marché. Vous pouvez le voir sur la deuxième photo. On ne se ressemble absolument pas. Moi, je ressemble beaucoup du côté maternel. Et Renaud ressemble beaucoup plus à ma famille paternelle, à mon père. Parce qu'on était toujours habillés pareil. Et jusqu'à très tard, jusqu'à 13 ans, 12 ans, 13 ans. C'était un C'était pas drame pour moi, insupportable, c'était ouais. insupportable. On était dans les mêmes classes, etc. Jusqu'au jour où ma mère a enfin rencontré un docteur intelligent qui lui a dit, séparez-les et ne les habillez plus, plus de la même manière. Voilà. Et donc chacun s'est singularisé, si je puis dire. Et là, l'autre Mon versant père, desséchant. alors voilà, l'autre versant, ça c'est le côté bourgeois intellectuel. Prof. Prof, mon père, auteur, écrivain, traducteur, professeur. Alors moi, je suis ici à droite et Renaud est à gauche. Ça, c'est, je pense que c'est au parc Montsouris, donc pas loin de notre domicile familial. Il y a déjà un Voilà. regard de phénix. Ouais, Cette le photo. phénix, on peut dire. On peut dire. Là, c'est vers 7-8 ans. Je ne peux pas exactement préciser, mais C'est où? moi, je suis à C'est où? droite. J'étais beaucoup plus grand que Renaud, donc je tenais plus du côté maternelle, donc Les grandes tours du les Nord. voilà, exactement, les prolétaires, les costauds. Renaud tenait plus du côté paternel, Les intellos de les Paris. intellos architiques. Non, je rigole. Et là, on était fan de Thierry Lafronde à l'époque. Voilà pourquoi on fabriquait des arcs. Et là, vous voyez qu'on était encore habillés ensemble, mais de manière tout à fait Ouais, ridicule, pareil. épouvantable. Bon, bah là, vous n'êtes Ça, plus quel habillé du bonheur! tout. Voilà, c'est une photo que j'adore. C'est Renaud et moi-même à Patmos en Grèce. Chaque année, pendant des années, on est allé dans cette petite île qui, à l'époque, était sinon déserte, en tout cas totalement vide de tourisme. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route. Et c'était vraiment une vie extraordinaire. Moi, je devais être étudiant à l'époque et Renaud commençait sa carrière, à vrai dire. Ça aurait pu être une pochette d'album, ça ne l'est pas, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, Et donc effectivement, cet ouais. album-là n'a pas de titre, ou il a un titre, puisque c'est, il y a un phénix dessiné dessus. Est-ce que on peut considérer que ce dessin est le titre de On l'album peut ou... considérer, oui, que c'est le titre de l'album, le Phénix. À vrai dire, Renaud a cherché un titre pour son album, n'en a pas trouvé. La maison disque avait fait une maquette avec un énorme Renaud dessus. Je me dis, mais pourquoi? À quoi ça sert? On voit bien que c'est Renaud, pas la peine de. Ça sert à rien. Et donc Renaud a décidé de sortir un album sans titre et sans nom d'artiste. Qu'est-ce qui lui a donné envie toi, tu dis que c'est lié aux attentats de se remettre sur pied et de Oui, repartir. je dis que je parle d'électrochoc, c'est vraiment ça, je pense. Il a fait l'effort de venir à la manifestation du 5 janvier, je crois, à la Bastille, où il y avait quelques millions de personnes, alors qu'il était dans un piteux état. Et il le raconte d'ailleurs un peu cette manifestation dans une de ses chansons qui s'appelle J'ai embrassé un flic. Et je pense que c'est ça qui l'a sorti de son état, de sa léthargie, et qui lui a permis de rebondir. Voilà, ça a été la première chose. Ensuite, ça a été sa décision d'arrêter la mauvaise vie, c'est-à-dire Ah bah la vita. de trop boire. De trop boire, De trop de réfléchir. trop réfléchir, de trop gamberger. Et donc, à l'aide de quelques médecins spécialisés, c'est allé assez vite, il s'est remis sur pied. Et aujourd'hui, il est en pleine forme, il est surexcité. Et voilà, il faut qu'il se calme d'ailleurs. Voilà, le message est passé. Merci. Salut, merci.